Merci, merci. Et votre nom à vous, c'est quoi? Eddie, Eddie Vuibert. Vuibert? C'est juif? Oui, Vuibert, c'est Weber. C'est la même chose, en fait. C'est comme Ben Saïd. C'est pareil, c'est Ashkenaz. Vous connaissez Ben Saïd, le dentiste? Vous connaissez pas? Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est pas Ben Saïd, c'est Bansard qui s'appelle. Quel Ben Saïd, le dentiste? Vuibert, c'est juif, alors? Bien sûr que c'est juif, si Eddie est juif. Son père peut ne pas être juif. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, hein. Il est juif, votre père? Mon père est mort. Ouais, c'est malin, mon pauvre garçon. Les Liedov aussi, ils n'ont plus leur père. Mais votre mère, Mskina, la pauvre, vous auriez dû lui dire de venir à la maison. Elle est morte aussi. Et en fait, ils sont morts les deux. Ils sont morts tous les deux. Ah, Willy, ah, Willy. Simon, tu arrêtes de faire des boulettes, c'est péché. Maman, arrête de me resservir sans arrêt, s'il te plaît. Mais vous avez vu comment il me parle, ce Hemal. Il sait pas la chance qu'il a d'avoir encore sa mère, lui. Tu voudrais être orphelin comme ton ami, c'est ça? Ça doit vous paraître bizarre, mais ici, on est très strict. Par exemple, le Shabbat, on prend pas la voiture, on n'allume pas la télévision, on se consacre à des choses beaucoup plus spirituelles. Vous comprenez? Bien sûr, oui. Écoutez, je suis désolé, mais il y a... Il y a un malentendu, là. Je suis pas... Vous n'êtes pas pratiquant, c'est ça? On avait deviné, vous savez. C'est pas grave, hein. Pas se gêner pour ça, hein. Enfin, laissez-le, c'est quoi cet interrogatoire-là? Enfin, c'est pas vrai, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, c'est le même cirque. Dites-moi, vous connaissez cette histoire? C'est une dame, elle est sur la plage. Simon, tu arrêtes de jouer avec les bougies, c'est péché. Elle court, elle est sur la plage, elle est en larmes. Je me méfie de ces blagues. Maman, écoute, ça te concerne. Et elle crie, au secours, il y a mon fils avocat qui se noie. Lily, regarde ton fils, il a allumé la télévision. Simon, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de t'occuper de lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la laisser allumer jusqu'à demain soir. Robert! Bah quoi? C'est pas interdit. Elle est déjà allumée.